Et c'est parti! Bon, pour ceux qui nous regardent sur... pour ceux qui regardent le stream en décalé sur la chaîne replay, parce qu'il y en aura des comme vous. Sachez que je vais sortir aussi une vidéo sur la chaîne principale avec un deck building. Je vais vous builder mon pack d'avant-première, comme ça, si vous participez aux avant-premières, vous aussi, vous aurez l'occasion de vous faire plaisir à l'ouverture des boosters. Ça me démange tellement de les ouvrir, ces boosters! Si vous saviez... Et j'ai même envie d'ajouter... Ça me démange d'ouvrir ces boosters, les amis! Du collector! De la sérialiser! Ah, j'ai trop envie. J'ai trop envie. Bref. Alors. Bon. Bon. J'aimerais bien faire un truc qu'on n'a pas encore fait. Essayer de drafter un archétype qu'on n'a pas encore drafté. Eldrazi, j'ai réussi à faire quoi? 2 wins avec Eldrazi en 2 drafts. J'en reviens un peu. C'est le cas. J'en reviens un peu. 1-2 qui fait blinker. Cette 1-2, je pense qu'elle est bien. Ça, c'est un clone, ça copie n'importe quoi, mais c'est... Pas forcément broken. Je pense que ça c'est probablement broken. Lui avec flamboiement de malice. Je peux faire flamboiement gratos comme ça. Hein. On prend flamboiement de malice et on essaie de voir si on arrive à avoir une shell un peu artefact. Non, on a dit les Eldrazi, non, ça pue. On a dit ça pue, les Eldrazi. Ah là là. Ils essayent. Mais tu sens que le soft, il essaie de jouer avec tes nerfs. Bon, ça, c'était vraiment nuts. Ça, c'était vraiment très, très fort. Et ça... Ça, c'est probablement bien. Est-ce qu'on part sur un deck Rakdos? On n'a pas encore fait Rakdos. Ça, c'est sûr que c'est vraiment très, très fort. Ça j'ai... C'est prouvé, quoi. Eldrazi style, ça m'a déçu. Alors que là, on peut faire un deck genre low to the ground, Rakdos. C'est quoi les archétypes de l'extension? Ben, je vous ai mis un post... Je vous ai mis un post sur Twitter avec les liens des deux vidéos qui peuvent vous aider pour les archétypes. Et globalement, noir-rouge, ça va être artefact. On joue ça. On sac une bête. On vole un permanent de l'adversaire. On le sac pour faire flamboiement. On attaque et on le sac pour faire flamboiement. Il faut que ce... Il faut que ce soit une carte noire. Sinon, on prend juste Déluge et... Parce que Déluge est une bonne carte. Sinon, on prend ça. Chaque fois que vous attaquez, vous gagnez un d'énergie et ça crée des golems. Alors laissez passer Toxic Déluge. Allez, let's go. On est là pour tester des trucs. On est là full test. Chaque fois que vous attaquez, vous gagnez de l'énergie. Créez un golem. C'est un artefact. C'est un artefact qui crée un artefact. Ça peut servir pour... Ouais, ça peut être bien. Détruisez une slip, créature ou planeswalker. Vous gagnez un pour chacune de ses couleurs. Probablement bien. Et fort aussi. Chaque fois qu'un joueur lance un sort, si aucun mana n'a été dépensé pour lancer ce sort contre... pour lancer contrecarrer ce sort. Je sais pas si c'est ouf. C'est ça, hein. Chaque joueur sacrifie une créature non jeton. Prison statique bof. Ça, c'est bien, ça. Hein. Renvoyez un autre artefact depuis votre cimetière. Quand il meurt, tu renvoies un arto. Un arto. Si on arrive à en avoir 2, c'est value time. Parce que quand on a 2, ils se remontent eux-mêmes. Et donc, tu peux les équiper du bélier crânien. 2-2 persistance. Elle a le vol tant qu'elle est modifiée. Ça revit.
C'est sympa avec Maraudeur aussi. J'aime bien ces deux cartes là. Maraudeur maudit va rentrer en popper. Ah ouais? Ouais, ça m'étonnerait pas, ça a l'air d'être une bonne bête. On va prendre mes cas plongeurs. Alors, t'arrives, ça gagne 2 énergies. C'est bien avec l'usine, ça, hein, je pense. Ça gagne 2 énergies, la créature équipée gagne plus 2, plus 0. Par contre, faut équiper en payant de l'énergie. Ça nous intéresse, ça, vraiment? Est-ce qu'on jouerait un artefact juste pour jouer un artefact? Je sais pas, je vais prendre le land. La logique est imparable. Bon, il n'y a aucune carte pour nous. On peut prendre ce gobelin là qui est 2-1. Trois qu'exile un graveyard. Ah! La créature équipée gagne plus 4, plus 0 piétinement. Cascade. Est-ce que ça coûte pas un peu trop cher, ça? Plus 4, plus 0 piétinement, équipement 4. Ça coûte 10 pour mettre plus 4, plus 0. Chaque fois qu'elle arrive ou qu'elle attaque, connive. Ça a l'air fort, en vrai. On va tester la hache. Allons-y. Ok. Elle qui fait le tour, c'est quand même une petite information. Oh non, mais non, mais non. Non, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. C'est quoi ce draft? On a dit qu'on changeait. Quand vous piochez votre troisième carte, envoyez-la engagée depuis votre cimetière. Ça a l'air fort, ça. Bon bah au pire, hein, si artefact est pas open... Non mais non, mais non, mais non. Bon, si artefact est pas open, on va jouer blanc-bleu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait 3 énergies. Un marqueur plus 1, plus 1. Ouais bah on va jouer blanc-bleu. Voilà, et même l'île. Il y a même l'île. Voilà, bah on va jouer blanc-bleu. Il nous file une île. Vous gagnez X énergie. Puis vous pouillez payer. Est-ce que vous pouviez payer? Vous pouviez payer n'importe quelle quantité d'énergie. Détruisez chaque artefact, chaque créature et chaque enchantement avec la valeur inférieure ou égale à la quantité payée. Ouais, tu casses tout, quoi. Bon, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Ça c'est broken. Et ça, je sais pas. Est-ce que on partirait pas sur un petit émissaire et on oublie notre deck artefact de la muerte, quoi? Je crois que ça va être émissaire. J'aime pas trop colère des cieux, en vrai. Je pense que... Peut-être que c'est quand même une vraie carte, mais j'ai du mal à la voir. Plus 2, plus 2, un marqueur vol. Donner des ailes, c'est une loutre, c'est un dino, c'est quoi l'espèce de truc qui... C'est quoi le dessin là? Il y a une deuxième masse d'armes. Répartissez deux marqueurs, plus un, entre deux créatures. Au pire ça se splash, non? J'ai le splash... J'ai le land qui fait du noir. On prend ça. Ça a l'air un peu trop fort. C'est un complot! C'est un complot! Homo, reine de Vesuva, doit rentrer dans les decks blancs. Car Homo lève plus blanc que... tu nous as perdu, tu as perdu l'humanité là. Tu as perdu l'ensemble des dragons d'un coup. Ok.
Bon bah à la base, on voulait jouer Rakdos, mais regardez toutes les cartes blanches et bleues qu'on nous donne. C'est un plaisir. Est-ce qu'on veut le vert du récif? Probablement pas trop. Est-ce qu'on veut ça? Renvoyez un autre permanent que vous contrôlez dans la main de son propriétaire et toutes les auras qui lui sont attachées. Vous gagnez 2 énergies. Payez 2 énergies, engagez une créature. Payez 3 énergies, piochez une carte. Payez 4 énergies. C'est bien ça? Ça a l'air bien en tout cas. C'est un véhicule. Ça te fait 2 énergies par tour. Ça te fait piocher des cartes, ça engage des bêtes. Franchement. Pilotage 4, ça peut être piloté par un Eldrazi. Ça peut être piloté par un Eldrazi, mais j'ai l'impression que. C'est plus le côté. Le côté distributeur d'énergie qui est pas mal. On va prendre ça. Vu que personne n'en veut, on va le prendre. La créature gagne plus 1 pour chaque enchantement et créature que vous contrôlez. Plus 1 vol. C'est une 1 vol et ça laisse un équipement sur le bord. On a vu littéralement que 3 cartes rouges. C'est quand même d'une tristesse ce draft. Ouais, bah, ils veulent pas qu'on joue... Non, on prend ça. Vas-y, on tente. C'est hors sujet, mais ça pioche, quoi. Les terrains non base sont des îles. Attention, la mer! Attention, la mer! Ils auraient pu mettre ça comme texte d'ambiance. L'impitoyable lune ascendante appelle les vagues et ordonne à la mer de monter assez haut pour engloutir les montagnes. Non. Attention, la mer! C'est comme ça qu'ils auraient dû dire. Prendre le clone. Je sais. C'est maintenant que t'arrives, toi. Elle est forte, elle. Non, je parle pas de la capacité, forte elle. Un fly. Ouais, voilà, et voilà, tout revient. On a une Vrasse qui revient. Est-ce qu'on préfère la Vrasse ou le contre? Détruisez chaque artefact, créature et enchantement avec une valeur inférieure. J'imagine que ça peut servir à quelque chose. Plus de vol. Vous pouvez faire que le totem devient une créature. Devient une copie de n'importe quelle créature sur le champ de bataille. Vous pouvez faire qu'il devienne une copie de n'importe quelle créature sur le champ de bataille jusqu'à la fin du tour. Avec célérité. C'est mon booster 2, ça? Le deck qui n'avait aucun sens. En vrai, l'usine, je peux presque la garder. Je peux presque jouer un deck énergie normal, quoi. Plus ou moins normal. Il fait quoi, lui? Draw 2, défaussez-vous d'une carte au hasard, à moins que vous payiez 2 énergies. Ça a l'air pas mal, quand même. Quand il arrive en jeu, tu prends 3 énergies. Quand il meurt, tu peux payer 3, il inflige sa force. On prend ça, là. Salut, Zeltank. On va prendre le petit fixeur qui fait piocher. Je suis malheureusement parti avant tes match-up lors de ta première session de draft. Quel a été ton score? C'est mon 5e draft, donc je ne sais pas exactement de quel draft tu parles. Si c'est le premier draft, on a fait une victoire, 3 défaites. Si c'est la seule information qui t'intéresse, je me suis fait dérouler. Voilà. Avis aux amateurs. On prend le gob? C'est bien ce gob. Bon, de toute façon, on va pas commencer à prendre des cartes noires. On a bien compris que c'était pas notre...
C'est pas notre combat, quoi. Esprit, non, on va prendre le gob. Hein. Oh, Grist! À chaque fois que lui ou qu'une créature arrive du cimetière, tu peux payer un verre. Si tu fais ainsi, tu l'exiles. Mais comment on fait ça? Ils sont bien gentils, eux, mais comment on fait ça? On a un sort de protection, un pacifisme, ou alors une carte énergie. Étant donné qu'on a trois fois l'émissaire d'âme-feu, plus du blink, plus une vrasse, plus des piocheurs. Moi, je suis chaud pour prendre ça. Simplicité. Oh non! Mais arrêtez! Les viewers, ils vont croire que je joue toujours les mêmes cartes après. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est trop fort! Désolé, les gens prennent pas cette... Pourquoi les gens ne prennent pas cette carte? C'est une mythique. Ça ruine des games. Et les gens la prennent pas. Ils la prennent juste pas. Je comprends pas. On va pas prendre un deuxième char, de toute façon. On peut mettre sur le champ de bataille depuis votre main. Engagé, attaquant un ange, un démon, un dragon. Un fetch, sinon. Un ange, un démon ou un dragon. Bon, on va prendre un fetch. Hein. Pas rare drafté. C'est bien, ça. Elliot espère dragon. Non, mais moi, je joue ce qu'on me donne. Hein. Vous avez bien vu, on est parti. On est quand même parti sur un deck à la base, hein. On est parti sur un deck rouge-noir artefact. Va comprendre ce qui s'est passé dans ce draft. Il s'est passé tout sauf rouge-noir, je crois. Exile un permanent non-terrain pour un mana ou un contre. On prend le contre. Et le contre. Quand elle arrive en jeu, détruisez un artefact ou un enchantement. Ça fait du mana. Sinon, on a un 2-2. Prouesse. Et gagner de l'énergie. On va prendre ça. Hein. Vous pouvez révéler une carte d'artefact ou d'enchantement. Et les mettre dans votre main. Ça, on peut le mettre dans le side. Regardez le top 6 pour un enchantement. Ou un artefact. Ça met une 1-1, c'est pas forcément fou. Blanc, noir, vert. Blanc, noir, c'est ok pour splasher E dans mon deck Esper. J'aime bien. Encore un cyclope. Ma curve commence à 3 mana, quoi. C'est... Moi, je fais des decks où je commence à jouer à 3 mana. T'as un peu de rouge, ça va. Mais ça vous apprend que c'est comme ça que tu flexes. Tu prends rare noir, on ne passe rien, tu changes. Voilà, il n'y a pas besoin de s'acharner. Si la table veut pas que tu draftes ça et te donne des cartes cheatées, take the cheated card, quoi. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons lui en x3. Qui est assez broken. Nous avons elle en x3 pour blinker lui. Comme ça refait de l'énergie. Nous avons un moteur d'énergie sous la forme de chair cuirassée sur mesure. Nous avons une colère, voilà, au cas où ça dégénère. Un petit 2-2 vol qui fait de l'énergie également. On va jouer ça parce que c'est un peu combo avec ça. Parce qu'en fait, tu mets des compteurs exaltation avec ton émissaire. Et derrière, t'attaques et tu doubles les compteurs exaltation. Ça fait des dingues. Ça met deux petits marqueurs répartis comme tu veux. À chaque fois qu'une créature modifiée que vous contrôlez meurt, tu mets deux compteurs +1/+1 sur lui. Il vole, il vole pas, mais il a le lien de vie. Et avec ça, ça va faire des grosses dingueries. Voilà. Le petit package dinguerie incoming. Y a pas les terrains fetch cette fois. Monsieur, j'en ai.
Ils sont là, regarde. J'en ai deux. Ça, ça fait de l'énergie. Ça, ça contre et ça fait de l'énergie. Chaque fois que vous attaquez, vous gagnez un d'énergie. Ouais, on verra. Ça, c'est un DFC qui fait de l'énergie. On a lui, Cyclope. 2-2 prouesse. 3 énergies, quand il meurt, tu peux payer et il fait sa force. Lui, si t'as 3 énergies, il trade bien, en fait. On fait quoi? On splash juste ça, ça et le gob. Lui, il fait 3 énergies. Ou il met un compteur plus 1, ou il met un petit cerveau. Noir, blanc. Hop. Bleu, blanc, noir. Hop. Modèle DFC. Ça, c'est un land. Ça, c'est un land. On pourrait mettre lui, mais... on pourrait le mettre lui. Hmm. 3-3 vol qui met deux compteurs. Ouais, on va prendre ça. Ça, on va jouer ça. Est-ce qu'on veut ça? Créer un jeton 1 blanche avec le vol au début de votre étape de fin peuplé. Est-ce qu'on peut faire mieux que des 1 vol? Dans ce deck, non. Donc, aucun intérêt. Est-ce qu'on a des artefacts à récupérer avec le méca plongeur? On a une gargouille. Et un char. Forcément fou. Est-ce qu'on a envie d'avoir un miroir maudit? Ça copie n'importe quoi jusqu'à la fin du tour. Et après, ça fait du rouge. Ça copie une bête. C'est bien, ça. Ça peut copier une bête de l'autre. En vrai, ça peut copier une bête de l'autre. On a combien de sources de rouge? On en a... 4, 5 avec ça. On a lui. Lui, il copie n'importe quelle créature sur le champ de bataille, mais il donne Konai. Oh, lui, on va le jouer quand même. Lui, c'est un clone avec Konai. Lui, c'est un clone que jusqu'à la fin du tour. Ouais, vaut mieux le vrai clone. Draw 3, un Eldrazi. Est-ce qu'on a besoin de ça pour gagner? On veut un 3, un flash qui fait gagner de l'énergie. C'est bien d'avoir une petite bête flash. Comme ça, on peut garder le contre et garder la bête flash. C'est toujours bien d'avoir ces options-là. Lui, il va être nuts parce qu'en plus, on peut le blinker avec ça. J'aime bien. Qu'est-ce qu'on a comme utilisation de ça? Exiler une autre créature. Ça exile que les créas. Mmh. Voilà, on est bien là. On va pas jouer le Colisée Céphalide. Est-ce qu'on veut une 1 fly en plus? Potentiellement, c'est 2 1 fly, mais... Plus 4, plus 0, cascade. Ah, si on cascade là-dedans, c'est naze. Est-ce qu'on veut une gargouille? Tant qu'elle est modifiée, elle a le vol. On peut la modifier en mettant des compteurs exaltation dessus. Sinon, on joue draw 3. Sinon, on joue ça. Chaque fois qu'on attaque, on gagne de l'énergie. Et pour 3 énergies, on met un golem. Je sais pas trop quoi penser de cette carte, en vrai. À chaque fois qu'on attaque, on gagne de l'énergie. Allez, le chat, le premier qui me dit une carte à rentrer, je mets la carte. Après Big Arnold. Allez, le premier message que je vois. Ah, ça peut être du troll, voilà, vous pouvez me ruiner mon draft si vous voulez. Miroir. Ah. Archido a dit l'usine, Pietro a dit miroir. Miroir, miroir. Bon, miroir, miroir, vous avez voté. Le chat a voté miroir, on va tester la carte. Hein. Bon, testons. J'ai envie de dire.
On n'est pas à ça près. Donc on joue à nouveau un Jeskai. Arna. On n'arrivera pas à faire un vrai deck double coloré, quoi. On n'arrivera pas à se cantonner à un deck double coloré, je crois. Après, on joue 17 terrains. Ce qui est bien, c'est qu'on joue 17 landes, mais en fait, on en a un peu plus. On joue 17, mais on a un peu plus au cas où, si on a besoin. Donc, on est sûr de bien curver. C'est quoi la mythique multicolore? C'est Kalia. C'est la mythique la plus nulle du format, je pense. Mythique la plus injouable. Ça met un démon, un dragon ou un ange engagé attaquant et c'est un 2-2 pour 4. Bref. J'ai lancé les paris si vous voulez voter. Dépenser des points de chaîne, vous faire plaisir. Roulez jeunesse. Let's go, les votes. Les votes sont lancés. Salut Sunsenista. Prêt à jouer des griffes bien sales. Ouais, bah ça va. Bon, allez. Personne la voulait, celle-là. Nous, on l'a pris. Ça pourrait... Kalia en duel commander, c'est pas nouveau, hein. Kalia, ça fait longtemps que ça existe. Hein. Donc si ça avait dû perfer en duel commander, bah ce serait probablement déjà le cas. Alors, on met le compteur ici. Oh, c'est une dinguerie ça. Non mais c'est trop fort, émissaire. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est une carte qui t'apporte de quoi dépenser ton énergie tout au long de la partie. Et tu peux mettre le compteur sur une autre bête pour bénéficier de l'avantage en énergie, quoi. Ça, c'est vraiment broken. Bon, après, ça veut pas dire que ça gagne, tu vois, sur les sorties T1, dans T2, dans double removal T3, voilà, tu as le droit de perdre. Mais... Vous savez, tout ça, vous le savez. Pardon. Dans T1, dans T2, dans double removal T3, contre Manades. J'avoue. Désolé. Je voulais pas vexer personne. En fait, les cartes qui sont rééditées, tu peux le savoir parce qu'elles ont... Elles ont le petit symbole. C'est une tech qu'on m'a donnée. Elles ont le petit symbole, je sais pas si on en joue beaucoup là, mais elles ont le petit symbole. Et si tu me demandes à nouveau ce qu'elles ont, je te répondrai le petit symbole. Non, elles ont un symbole d'extension au milieu, alors... Là, on joue typiquement, on n'a aucune carte qui ait eu une réédition d'une... Ah si, peut-être ça, tu vois. Ça c'est une réédition, parce qu'elle a le symbole de... Ça, c'est Jumpstart, je crois. Ça, c'était une carte qui existait déjà en Jumpstart. Ils ont réédité, et donc là, au milieu, t'as le petit symbole Jumpstart. J'aurais peut-être dû bloquer avec ça. Le truc, c'est que ça revient. Ok. On va peut-être réussir à remonter avec ça, en vrai. J'ai bien dit peut-être.
pense pas que ce soit très intéressant d'envoyer des points. C'est qui pourra blinker ça si je la garde en défense. Ouais, on va y aller, hein. Ça sert pas à grand chose de bloquer. On garde le gobelin pour bloquer la 2-3 potentiellement. Ah oui, mais il peut booster la 2-3 avec fleurir. Et du coup, ouais, du coup, c'était peut-être mieux de garder. En fait, j'ai envie de poser ça et de bloquer après. Pour avoir le côté. Pour avoir les compteurs +1/+1 sur ça. Et du coup, là, je prends une énorme sauce. Chaque fois qu'une créature modifiée meurt, manifestée. Alors après, ça, c'est fort. Du coup. Sur le coup. Ah, lui, démoniaque, lui. Alors. Comment on fait ça? Je garde mes deux bêtes ici. Je mets juste des compteurs sur lui. Elle est 5-5. Elle est 6-6. Enfin, elle est 6-5, là. Oh, il est en train de nous sauver la life, lui. Oh, la dinguerie. Oh, la dinguerie du bonhomme, quoi. Un truc de fou. Je double bloque ça. On est d'accord. Il va quoi? Le blinker juste? On s'en fout, non? Ouais, il tue mon 3-3. Mon 3-3 peut tuer ça, non? Ah non, j'ai pas d'énergie. Je bête. 3, 4, 5, 6. Ouais, si j'attaque, il va juste bloquer, blinker. Ça lui fait dépenser sa mana. Non, j'attaque juste avec lui. Il est 7-7. Quelle carte. On attend juste la 4-4 lien de vie vol qui double les compteurs et puis on est bien. Merci beaucoup Laurent. Merci beaucoup pour ton soutien. 25 points. Et ben merci à toi, ça fait plaisir. Ok, il a réussi à faire une petite value, sympa. Oui. Ah oui. Ah bah. Ah oui. Ah oui, c'est pas mal. Bon, ça, c'est une grosse dinguerie aussi comme carte. Aïe, aïe, aïe. Dur. Esprit, il peut mettre une 1 fly, il peut booster ça. Oh! Qu'est-ce que ça fait? Vous gagnez 2 énergies. Payez 2 énergies, engagez une créature. Payez 3 énergies, piochez une carte. Le cuirassé devient 5-6. Bon, déjà, c'est un 5-6, donc ça bloque tout ce qui va nous faire, là. Ensuite, je peux gagner de l'énergie avec.
Pour l'instant, donc je pourrais mettre des compteurs exaltation sur des créatures à moi. Là, pour l'instant, j'attaque avec ça, c'est 8-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour essayer d'attaquer en 9-9. Pour gagner 9 et passer à 18. Ça a l'air honnête. Après, si je tue ça plus ça, je suis content, ouais. Ça me permet de garder la 5-6 en défense pour... Ouais, ça c'est bon. Je comprends pas pourquoi il a... Ah, ça coûte un peu plus cher la grâce. Il aurait pu payer 3 pour faire ça sur une de ses bêtes random, genre ça. Maraudeur! Du coup, si je pilote, je peux pas gagner d'énergie ce tour-ci. C'est mieux. Ouais, c'est quand même mieux, je pense. Entre gagner 2 d'énergie et bloquer. Ça, ça va être 4-4. Ça va passer 6-6. Oh, il aurait pu faire un truc de fou. Il aurait pu blinker son maraudeur avec la 1-2. Pour sac-sile maraudeur et m'envoyer... Ouais, il a mal joué là. Il aurait dû, avec ça, blinker le maraudeur en réponse à la capacité. Sacker ça et le token et le maraudeur ou le token. Et c'était incroyablement difficile pour moi de m'en sortir. J'attaque pour 10 là. Je peux attaquer pour 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, ok. Il peut me la tuer, mais bon, il perd tout son board. La balle au centre. 28-31. Normal game. Ouais. Alors là, ça pue. Après, j'ai un 8-8 lien de vie, en vrai. J'ai un 8-8 lien de vie exaltation. C'est pas non plus n'importe quoi. Suffit qu'on pioche la 5... La... Ah, j'ai plus rien. Ok, j'ai plus rien. Y'ai plus rien. Ouais, double top deck removal. D'accord. Arrêtez-le! C'est un escroc! Ouais, double top deck removal. Ça va être un peu plus dur. Ah, c'était même très très sale, je trouve. C'était même giga sale. J'en connais des choses sales. Ça aussi, c'est giga sale. OMG. C'est quoi? Avec une valeur de mana inférieure à la quantité dépensée. 2, 3, 4. 4. Je peux pas vraiment faire autrement, non? On y va, hein. Sept. Mmh.
Mea culpa. Tu as top deck. J'ai top deck également. Ça, on peut pas le... On peut pas le recycler hein, dans notre jeu. J'aurais pu le piocher plus tôt. 47 à 19. Balle au centre. Bon, je meurs en 4 tours. J'ai 4 draws. Il n'y a pas que des dingues, mais j'ai 4 draws, quoi. Ok. Like it. Voilà, parfait, ça. Il est là, le bonheur. On va lui mettre un petit compteur dessus, là. Hop. Exodia. Exodia Arna. Oh non. Mais non. Mais arrêtez-le. C'est quoi tous ces top decks? Ah, come on. C'est pas possible. Ouais, bah ouais. Eh ouais, 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 bah on peut pas... On peut pas... On peut pas battre ça, là. Genre, ça pioche des removals du dessus du deck, comme ça, nature. Ah, il fait quoi, lui? Rien. Il met plus un, plus un là-dessus. Ah, il y a 47 à 10, donc au bout d'un moment, je peux pas faire mieux. Après, je gagnais à la meule. Bon, faut que j'arrête de piocher des landes. Il reste plus grand-chose comme land, en vrai. J'ai bien épuré, je crois qu'il en reste 3 dans le deck, là. Ah, oh, c'est infâme. Ouais, je crois qu'on a, on a plus rien, par contre, là. Je crois qu'on n'a plus rien du tout. On peut plus la gagner, cette partie. Ça, c'est vraiment fort, hein. On l'a pas eu, le zombie. Ouais, bon. On a pioché... Quoi, 8, 9, 10, 11, 12. On en a épuré 2, on a pioché 12 landes, il en a pioché 10. Sur une game aussi longue, bah c'est au final ce qu'a fait la diff. Top deck removal au bon moment. Le top deck des removal au bon moment. Je crois pas avoir... Je crois pas avoir de solution en vrai. En plus, il peut sauver ses bêtes avec ça. Alors, si on avait eu des invocatrices distinguées plus tôt pour sauver nos propres créatures des removals, ça aurait été bien. Et là, on a pas grand chose à faire. Non, t'as pas le temps en fait, vu que le... Sur ce sort là, t'as pas le temps de piocher avec la carte. Vu qu'en fait, t'es obligé de... Une fois que le sort commence à se résoudre et que tu gagnes l'énergie, t'es obligé de tout faire d'un coup. Vu que c'est dans la résolution du sort, donc t'as en effet pas le temps de piocher avec ton char cuirassé sur mesure. Ça vaut peut-être le coup de jouer Vérité Insondable au-dessus de Miroir Maudit, mais... Ça vaut peut-être le coup de faire ça. Mais non, j'avais pas la fenêtre. Après, c'est vrai que on joue quoi? On joue 17. On a posé ça en land parce qu'on n'en avait pas beaucoup en early. Et on en a pioché 14. Sur les 17 landes, on en a pioché 14. Bon. Forcément, les games comme ça,
généralement se finissent mal. Genre l'adversaire a pioché les removals sur les bons timings et nous on a pioché trop de land. Donc forcément, ça va être difficile. Oh, bandit! El bandito! Nice! On va voir ce qu'il nous a drafté. On va essayer de donner. Sûr, il joue les Eldrazi. Je suis sûr, il joue Eldrazi. Alors, on a les deux terrains qui peuvent se poser en land aussi. Donc, on peut poser des terrains si on veut. J'aimerais bien garder lui parce que le côté détruisez un artefact ou un enchantement avec ça, ça a l'air bien. À la limite, c'est ça qui peut se poser en terrain si j'ai envie. Ok, cool. Rouge. Bon, on va poser ça en land. Boros ! Ah ! Son chat l'a pas fait drafter Boros quand même. C'est pas... Oh ! Mage des batailles. On va faire le... Mage des batailles. On fait L en premier ? Ou gobelin pour bloquer ? On va faire L. Je pense que la game va durer un petit peu plus longtemps et du coup ça peut être intéressant de faire d'abord L. Peut-être mettre l'émissaire pour bloquer. Ah, Eldrazi, je le savais. I knew it. Yep. Sinon on pose la deuxième. Naya, c'est intéressant. On peut poser la deuxième ou on peut juste poser une de ces deux cartes. Pour commencer à attaquer. J'aimerais bien dépenser 3 mana et pas 2 en fait. Ce qui fait que sur montagne, je pourrais... Après toute ma main est blanche. Moi, je pense que c'est ça. C'est solide ça quand même. Ah, on met probablement le compteur sur L pour forcer le removal dessus. Si removal il y a. Invocatrice distinguée. Elle invoque des licornes. Des bateaux et des planètes. Je comprends pas le thème. C'est... En quoi elle se distingue des autres ? Elle invoque des licornes, des bateaux et des planètes, quoi. Ok. Alors, il peut avoir le spawner, là, le Eldrazi spawner. Ok, 3 d'énergie... Je pense que c'est intéressant de faire 3 d'énergie et de le dépenser avec l'émissaire là. Ça fait 3 d'énergie aussi. Allez. On va jouer les cartes blanches de la main. Alors, est-ce qu'on pose le casse enchant ? Est-ce qu'on libère un peu de mana, peut-être hein ? Allez, c'est fait. Ah, c'est vrai que j'aurais pu prendre 3 et faire ça plus gobelin, quoi.
bar des surprises. Ah bon ? Y'a pas de mana bleu ? Il manque une couleur, non ? Bon, mais ça valide notre théorie. Les Eldrazi, c'est nul. Je vais lui envoyer un petit GG. Il y avait que des lands, ok. Ouais, mais on a pas gagné une game. Dites-lui, si vous êtes sur son stream, dites-lui, on n'a pas gagné une game avec Eldrazi. On a fait que perdre avec Eldrazi. Ouais, c'était abominable. Donc je partage le feeling. Énergie, ça te semble au-dessus des autres archétypes? Oh, au-dessus, en dessous, à côté, dedans, MTG, je pense que... JB, je pense qu'on ne peut pas, on ne peut pas déterminer ça au bout du cinquième draft. Tu vois, genre... elle me semble largement au-dessus de beaucoup de cartes, ouais. Lui aussi. La combo des deux, c'est un peu broken. Après, énergie... En fait, c'est comme tous les drafts. Pour l'instant, je sais juste que Eldrazi, on s'est fait rouler dessus à chaque fois, quoi. Soit par des decks Eldrazi plus forts, soit juste parce que on s'est juste fait rouler dessus, quoi. C'est quoi le programme pour demain? L'early access termine à 9h demain matin. Donc, ça dépend à quelle heure on va se coucher cette nuit, déjà. Et demain, il y aura peut-être... demain, j'ai prévu de vous faire une petite vidéo sur du deck building. Donc, je vais peut-être mettre la vidéo en ligne ou en tout cas préparer la vidéo. Et ensuite, je lancerai peut-être un stream l'après-midi. Mais ça dépend vraiment à quelle heure on se couche. Si je tiens jusqu'à 5h du mat, je pense que je vous ferai un petit stream demain après-midi. Et... un petit stream deck building et demain j'ai un training en duel commander. On va commencer à tester les nouveaux commandants, donc ça va être sportif. Je vais me prendre un vieux stifle. Stream non-stop jusqu'à 9h. Bah c'est... Moi je suis parti dessus, hein. Il me reste quelques canettes de soda dans le frigo. Il me reste deux paquets de taboulé. Bah, vous savez, qu'au bout de la night, hein. x7 = 32, ça commence à faire. Mais c'est pas parce que ça commence... En fait, c'est pas parce que ça fait des games que... on peut en tirer des conclusions... des conclusions dignes et fiables. Oh là là, ça va être tellement fort. Bon, de toute façon, mes créatures gagnent -2/-0. No reason to attack. Quand vous testez en duel commander, vous testez sur quel soft? Las cartas de papel. De los cartones del papeles. On teste en physique. What? Putain, c'est un projet comme un autre. Donc il veut une 1-2 et il me donne une 3 de vol. Ça fait bientôt 9h que j'y suis, je n'arriverai pas au bout. Moi aussi ça fait 9h que j'y suis, Bilbo. Mais le jeu est assez passionnant. Moi je nous propose... une petite 2-2. Alors, lui, il est exproof ou il est défense talismanique? On va répartir un peu ses compteurs, là.
probablement mettre... On met le dernier sur le dragon? Non, le dragon, il peut mourir. On va mettre le dernier sur la bête la plus insignifiante, ce de deux là. Comme ça, on donne de l'importance. En fait, ce qui est bien avec lui, c'est que tu donnes de l'importance aux cartes nulles et tu forces ton adversaire à faire un removal sur les cartes nulles. C'est-à-dire que là, mon 2-2 qui a double exalt, il a déjà beaucoup plus de value. Sauf que, en fait, lui, en termes de qualité, il a moins de value que lui, tu vois. Donc en faisant ça, je donne de l'importance à mes cartes nulles. Comme ça, s'il a des interactions, en fait, il est obligé d'interagir avec... s'il interagit avec les cartes les plus fortes que j'ai sur le champ de bataille, au final, c'est ma carte nulle qui va faire la diff. Bon, et là, c'est finito, là. Là, je reconnais... Là, je reconnais un spot où c'est terminado. Non ? Il m'a donné un 3 de vol. Il m'a donné un 3 de vol. Arrêtez-le. On fait quoi? On essaie de garder... garder contre-open. Salut JF, comment ça va? Ouais, je peux te dire une seule chose sur ma session de draft de ce soir et de cet early access. C'est que Eldrazi, c'est nul. C'est pas ouf comme archétype, quoi. Non, je rigole. C'est pas parce que j'ai fait que perdre que c'est nul. Faut savoir être modéré. Sinon on attaque avec tout aussi hein. On s'attaque moins fort. Sur cette bonne nuit et bonne fin de stream event, c'était bien cool, je materai les replays à fun. Merci Isbra. Merci beaucoup à toi. En vrai, il est vraiment cool cet early. On va garder les Vras et les autres bêtises. Ah sinon, j'aurais pu faire ça à zéro. J'avais pas pensé. Pour lui casser toutes ses clous, j'aurais pu faire ça à zéro. C'était peut-être bien. C'était peut-être un bon plan. Ça va. ça ne suffira pas. Hein. Il peut quoi? Engager une créature? Ça, c'est quoi? Exproof contre les capacités? Ouais, ça confirme certaines choses sur ce dragon quand même. C'est une bonne carte quand on te le donne. Cette carte est bien quand on te la donne, quoi. Donc est-ce que tu la veux dans ton deck pour la donner à l'oppo? Pas sûr. Pas certain, quoi. Il m'a filé un 3 de vol, il est mort 4 tours plus tard. Ouais, je suis pas sûr. Ouais, pas certain du projet, quoi. Ouf. Il y a eu aussi un jeton Tarmogoyf ce soir. Ah, il s'est passé des trucs ce soir. Il s'est clairement passé des choses. Je regarde s'il y a des petits clips sympas, mais il s'est passé des trucs ce soir.
On a le miroir maudit. Le miroir maudit. Les patatas. Eh, j'ai le petit clip du Tarmogoyf. Il est bien, lui. C'est bien aussi d'avoir un clip sympa à partager. Alors, on a un inventeur et un miroir. Bon, bon. Regarde. Hein. Attends de voir où ça va, mais pour le moment. This is a keepable. Ah, ça, c'est un mauvais play. J'aurais dû poser plaine parce que si je pioche le gobelin, il me faut pleine montagne. Et si je pioche le 2 de vol, il me faut pleine île. Heureusement, on n'est pas puni. Tamian rencontre le cercle des histoires. Bien, cette carte. Tu défausses des cartes et t'as deux fois plus d'indices. Donc en soi... Ouais, faut dépenser de la mana quand même. Pas non plus... Pas non plus ultra free, quoi. Je pense que s'il attaque, je bloque avec mon 3-1 là. J'ai pas envie de lui laisser la value de ça. S'il attaque pas, c'est moi qui attaque. J'ai un 3, un fly. Avec ça qui fait gagner de l'énergie. Je pense que c'est un bon projet. Le char entretient l'électrozoaire. Et derrière, s'il prend du temps pour booster sa bête, ça ne me dérange pas. Lequel je fais ? C'est ça ma question. Je peux faire miroir maudit. J'ai posé un land ce tour-ci ? Ouais, j'ai posé un land. J'aurais peut-être dû poser ça en ça taper. Je vais probablement pas attaquer avec le char ce tour-ci. Je peux juste faire... attaquer avec ça. Allez, on fait la course. Je pense qu'on est bien à faire la course. En fait, ça, c'est des trucs qu'il n'utilisera pas. Quand vous lancez ce sort, si ça n'a pas été dépensé pour le lancer à un adversaire, mais... Ah, ok.
Mais si, si du mana incolore a été dépensé, ça ne marche pas. Comment on fait ça? C'est un 6-6 trample ça? Célérité? Ouais, bonjour. Six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Je peux pas vraiment engager ça. Je vais juste envoyer ça et ça. Il était pas mal ce miroir. J'ai envoyé un 6-6 trample célérité pour 3 mana. J'aime bien. J'aime ce que ça propose. Ok, le miroir est validé. Officiellement. Miroir is validated. Ah, j'aime bien. J'ai bien aimé. Alors, je sais pas s'ils ont disable les queues pour l'historique... Je crois qu'il y a certains joueurs qui ont joué en historique et en timeless, mais il y a principalement beaucoup de joueurs de limité sur cette arena. Enfin, sur cette early access. J'ai l'impression qu'il y a plus de joueurs de limité que de joueurs des autres formats, quoi. Pff, il fait toujours incroyablement chaud ici, hein. Ça doit être la chaleur des Eldrazi, quoi. Que, ouais, pff, ça chauffe, quoi. Alright. Ah, j'aurais peut-être dû... Je voulais épurer le deck, mais en fait, j'aurais peut-être dû poser heal au cas où je pioche plaine. Toujours le petit détail qui peut changer la donne. Donc lui, il est prouesse. Et quand il meurt... Il inflige sa force à n'importe quelle cible. T'as 3 énergies. Pas l'air trop mal. Bien, je ne vais pas dépenser l'énergie. Soyons sages. Voyons. Faire un 3-1 pour contre-attaquer, c'est pas mal. Sinon, je bloque juste. En mode plutôt conservateur. Après, c'est une 1-3 qui donne menace. C'est une 1-3 menace qui donne menace, je peux pas bloquer. Répond au problème. Comme ça fait gagner de la vie. En vrai. Ah, mais j'ai peut-être envie de faire le cyclope. Comme ça. Juste envoyer 3 points, c'est bien aussi. Est-ce que j'ai pas testé le scellé ce soir, non. Je trouve qu'en draft, t'as un peu plus de liberté.
Je testerai, comme je vous ai dit, je vous ferai un scellé pour YouTube demain. Je vais ouvrir des boosters et je vais faire un deck building. Et en plus de ça, il va y avoir les AP, donc c'est bien aussi de découvrir le scellé au moment des AP, quoi. Il va essayer de me taper dessus, mais ça fait gagner de la vie. Ça va faire gagner de la vie, ça aussi. Surprise. Hein. Quelle attaque. Ah, j'aurais pu mettre un compteur +1/+1 sur le cyclope aussi. Envisager de mettre le compteur +1/+1 sur le cyclope pour passer la 1-3. Et là, on swarme bien le board. Donc s'il n'y a pas de... C'est un artefact. Plus de pitié. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 3 d'énergie. Vous pouvez payer 3 et vous mettez des marques. On va peut-être bloquer. 7-7, c'est beaucoup. Ça part fort, 7. Beaucoup de points de dégâts, 7. Et là, on va juste essayer de faire de la value avec la 1-2 en bloquant lui. On bloque le bonhomme, on blink ça. Il peut plus vraiment passer de points, donc il va être obligé de dépenser son énergie avec ça pour lui donner menace. Trop d'énergie. Elle est vraiment bien, elle. Je trouve qu'elle s'adapte très très bien dans l'échelle énergie, parce que toutes les créatures qui ont de l'énergie refont leur effet d'arrivée en jeu. Et puis ça gère les phases de combat, quoi. Alors il peut activer ça, je peux pas vraiment attaquer quelque chose. Je pense que j'ai pas d'attaque quand même. Quand lui il attaque, il prend les coups. Sur lui. Non, je fais juste de l'énergie. Bon, on a le bouton reset. Le reset button.
Qui dépense. Là, ça va être qui dépensera le mieux son énergie dans cette game. Quoi. Moi, je peux faire 3 d'énergie par tour. Lui, il en fait 2 par tour. Il a un outil qui peut lui permettre de piocher des cartes. Ça peut être relativement lent. Il a passé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes déjà. Nous, on en a joué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'aurais plus tendance à jouer slow avec son deck. Là, j'ai l'impression que... il perd de la... comment dire, il perd de la value avec son char cuirassé là. Et il pourrait tout simplement faire soit faire de l'énergie, soit commencer à piocher des cartes. Et de tuer la 1-3. Ouais. Oui. Ok. Bon bah ça c'est très bien ça. T'as dit vite. À 11. On gagnait la course. Et il peut avoir le contre. Bien entendu. C'est sacrément oppressant. C'est pas oppressant, c'est juste que ça bloque facilement les phases de combat, quoi. Ça gagne des points de vie, ça bloque les phases de combat. C'est très polyvalent comme effet, de toute façon. En fait, le fait qu'elle ait un effet défensif et un deuxième effet défensif, ben, le cumul des deux, ça donne une carte qui peut quand même bien défendre sur un board, quoi. Surtout avec des bons effets d'arrivée en jeu. Ça, c'est quand même un bon effet d'arrivée en jeu, quoi. Là, il essaie de passer en force. En fait, s'il avait joué la game en value avec le char, c'était probablement un peu mieux. Enfin, un peu plus difficile pour moi, en tout cas, de tenir contre l'agression. Bon, j'ai combien d'énergie, alors? How many? Attends, lui, quand il meurt... je peux dépenser 3 d'énergie. Ça fait 10... je mets 3 compteurs. Ça devrait gagner, mais... Et lui, il a plus d'énergie pour tuer. Faudrait que j'attaque à 7 en fait. Là j'attaque à 5. 6. Ouais, du coup je peux même attaquer avec un... le token. L'espèce de truc complètement broken. Ouais, émissaire d'âme-feu, s'il vous plaît, quoi. Moi, je veux cette carte au Pro Tour tous les jours. Non, mais quelle carte? Ah,
Ok. Ah, elle s'attache automatiquement. Ah oui, j'avais raté la ligne où elle s'attachait automatiquement. Oh, je me suis fait un tour loupé là. C'est une entourloupe. Je peux faire ça, hein, sinon ça tue ça et ça. Ça lui laisse le cyclope de 2. Après, il a plus d'énergie. On va faire ça au prochain tour, je pense. J'ai pas envie de le faire à 3, mais à 1. Pour enlever un bloqueur. Je sais pas si c'est pertinent. En fait, j'enlève un bloqueur, mais du coup, je peux faire 5 d'énergie. Rajouter 2 compteurs exaltation et réattaquer pour 5. Ça a l'air ok, ça. Il y a combien d'îles dans le deck? Je sais pas. Il y en a probablement 4 ou 5. Peut-être moins, peut-être 3. Avec les... Il y a 2 landes qui vont chercher des îles, je crois. Ouais, peut-être moins. Il y en a 4, peut-être. Est-ce bien important? Est-ce que t'as l'impression... Est-ce si important, les amis? Bon, on met le compteur sur qui? Sachant qu'il va y en avoir 2 fois plus. On attaque avec elle ou lui? Elle? Ah bah lui. Ah ça a la scellé. Oh bah j'ai gagné. Ah j'ai plus d'énergie. Il a dépensé plus. Il a dépensé tout son énergie. Il a mis ce létal. Il a mis ce létal. Regardez ce streamer. Après 9h30 de gaming, il rate le létal. Quel nul. Et ouais. Je vous y verrai moi. Je vous y verrai, hein. Regarde si je vais miss l'étal, là. Regarde si je miss le létal. Voilà, il est là, mon létal. Elle est tellement forte, cette carte, je trouve. Elle est tellement forte. Oh, PC Julius qui offre un abo. Merci beaucoup, PC Julius. Merci beaucoup pour le soutien à la commu. Miss Exaltation, tout à fait. Merci beaucoup pour ton soutien. En plus, on a dépassé... Attends, j'étais à combien? J'avais mis... Merci à vous pour le soutien. On a dépassé les 15 subs sur les 50 de ce streamathon. J'avais mis un petit stream goal pour les nocturnes, pour ceux qui vont rester jusqu'à tard dans la noche. Et oui, je suis bilingue. Ah. Donc merci beaucoup d'offrir des petits cadeaux comme ça. Franchement, moi je suis frais là. Je suis prêt à faire un petit draft en plus si vous voulez. Je pense jusqu'à 3-4 heures on peut tenir.
après mon niveau de jeu, les haters vont pouvoir se lâcher, quoi. Hein, voilà. C'est sûr que les haters, là, en fin de stream vers 4h du matin, alors là, ça va dire oui. Tu misses tous tes triggers, je comprends pas, on est sur Arena, normalement tu peux pas miss tes triggers, comment tu fais, nanana. Nanana. Allez, un petit 2 de vol. Attends. On fetch. Je crois qu'on va fetch. Hein. On va essayer d'épurer ce deck comme on peut, hein. Tu veux drafter des... Jamais, jamais plus. Oh, les Eldrazi, j'en reviens, là. Horrible, c'est horrible, les Eldrazi, en vrai. Alors qu'à chaque fois que je drafte ça, je gagne. Oh, Julius! Mais Julius, tu veux me forcer à drafter des Eldrazi ou quoi? Merci beaucoup pour ton soutien, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Pour le marathon, ah, merci. Ça motive. Ça motive, de ouf. C'est quoi, c'est un 2-2? Je crois que je vais pas bloquer ou quoi? Non, je m'en bats les couilles! Je bloque! Il a cru qu'il allait m'avoir. Bah, il a failli m'avoir. Hein. Il y avait de l'intention, là. Je peux mettre deux compteurs sur lui, là? M'intéresse peut-être. La question c'est maintenant que j'ai un 3-6 pour arrêter tout ton board, qu'est-ce qu'on fait? Pour moi aussi, merci pour ton prime. On chill, chillax, chillax, on l'oblige à commit du board et on brasse. Voici le plan. Je vous présente le plan by Elliot Dragon. Ensuite, on met des compteurs exaltation sur toutes nos bêtes. Du coup, elles sont modifiées. Du coup, quand on brasse, ça passe 20-20. On attaque 20 points, fin de partie. Le scénario est bien ficelé. Molo, l'Assetico. Alors oui, ça dépense beaucoup d'énergie, mais bon. J'ai l'impression que mon énergie et une carte vaut bien deux cartes adverses. Ouais. Est-ce que ce serait pas le moment? Parfait. Pour attaquer. Sans vouloir te casser, il manquerait pas une plaine pour vrasser? Mais non. Loin, loin, loin. La vrasse, elle arrive plus tard. Elle arrive later. On n'est pas une vrasse. Voilà, on n'est pas des animaux non plus. Méchant, ça. Ah! On va rester en défense, voilà. On va rester en défense. En plus, on va vrasser, on va garder de l'énergie et on va draw 2. Mais Julius, tu nous régales. C'est le gars, comme si on l'engueulait, t'sais. Mais tu nous régales, Julius. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, en vrai. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Piocher deux cartes, perdez deux points de vie. Ah oui, quand même. Merci beaucoup pour les cadeaux offerts. Merci à toi. Bon.
C'est pas ouf. Oh. Alors, qui gagne ce petit jeu? À ce petit jeu, qui c'est qui gagne? J'ai l'impression que c'est lui. Après, j'aimerais bien qu'il commit vraiment plus sur le board avant de brasser, mais j'ai l'impression qu'il y a déjà assez là, non? J'ai l'impression qu'on va difficilement trouver de quoi matcher son board. Le problème, c'est que si je fais vras, c'est que j'ai 2-1-2, je m'en sors pas, je vais prendre les points. Maintenant, c'est est-ce qu'on pose les deux invocatrices? Ouais, une, ça devrait suffire. Donc l'idée là, c'est d'essayer de lui pomper quelques ressources en value en essayant tout simplement de value un peu le board que j'ai, quitte à prendre des points de dégâts. Pas évident non plus. Un plan risqué. Voilà, je le dis. Oui, c'est un plan risqué. En plus, il nous met que des pâtés qui font de la vaillou. Ça va être un peu dur. Alors, l'idée. Un peu faux folle. Ça va être de mettre probablement un compteur exaltation sur ce gobelin. On pourrait dépenser de l'énergie avec ça. Il a pioché deux de plus. Merci, merci beaucoup Julius, tu régales de ouf. Prépare un bloc, sinon on envoie le... Sinon on envoie un compteur exaltation là aussi. Et on essaie de construire un énorme strum en... Un énorme strum avec le maître noueur. C'est un plan aussi ça. Le truc c'est que mon adversaire pioche beaucoup trop de cartes. Ça a pas l'air ouf pourtant ça. Ouais, piocher 2, perdre 2. Ouais, 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 c'est quand même bien. Hein. En tempo. En tempo Lavras. En tempo cette Vras comme jamais. Allez, dépense toutes tes cartes, s'il te plaît. Il veut pas, hein.
4 cartes. Allez, donne tout. C'est bon. Allez, ça va, tu peux. Ah. Non, pas ça, ça me fait défausser. Arrête. Oh non, pas maintenant. Horrible. Est-ce que j'envoie un 5-5 lien de vie en vrai? J'ai pas envie de Vras. C'est fou. Je pense pas que ce soit bien de Vras en plus. Ah, j'ai l'impression qu'il faut pas Vras. On va tenter un truc. Ah, c'est chaud d'attendre, mais si je balance ma Vras, j'ai perdu, je pense. Je suis obligé de value au max. Si je balance ma Vras, je pense que je perds la partie. Après, s'il a un sort qui donne indestructible, j'ai perdu aussi. Voilà. C'est-à-dire que là, il a pioché 4 cartes de plus que moi, en fait. Et il me fait défausser des cartes avec ça, il fait du CA avec ça. Donc en fait, si je joue ma Vras trop tôt, je vais juste m'incliner, quoi. Alors que si je garde mes ressources, il y a peut-être moyen de faire des trucs sympas. C'est ce que je suis en train de faire. Tente de garder mes ressources et de garder du contre-jeu. Très important le contre-jeu. Toujours réfléchir à qu'est-ce que tu peux faire dans des situations comme ça. Et là, j'ai réussi à faire un 6-6 lien de vie, qui est peut-être pas mal. Pour contre-attaquer. Ce qui le forcera peut-être à faire un anti-créature maintenant ou à... Je sais pas en vrai. Je ne sais pas. Ben voilà. C'est presque bien ça. On peut peut-être gagner un tour avec ça, ouais. Attends. Même compliqué. C'est quand même compliqué cette histoire. Je t'ai envoyé un 9-9 lien de vie. Ouais, je peux envoyer un 9-9 lien de vie. Est-ce que ça m'intéresse? I don't know. I do not know. 16 cartes à 18. Ah, ça fait partie des parties les plus compliquées, celle-là. Il a une... Ah non, ouais, il peut blink ça pour donner... Indestructible maintenant. Ah, je suis bête. Ouais, j'aurais dû... Bon, là, c'était probablement le bon timing. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11.
Ah, il en a deux! Ah ouais, il est gavé aussi, lui. Hein. J'aurais peut-être dû attaquer avec ça. Ouais, il a rien à faire. Il a bien raison. Ah, j'aurais dû attaquer avec ma 6-6. Là, il va probablement essayer d'empêcher... ma 6-6 de gagner de la vie. J'aimerais bien qu'il prolifère au lieu de mettre un compteur shield, mais... Ah, j'ai attendu un tour de trop, du coup. S'il est bon, il met un compteur shield. S'il est pas bon, il prolifère. Il met un compteur shield ici et il a gagné. Ok. Bon bah il a gagné quand même hein. Ouais, j'aurais dû le faire le tour d'avance hein. Il a une 1-1 quoi. Mais bon, 3 cartes en main parce qu'il a pioché des millions. C'est ça la div dans la game, c'est qu'il a pioché. Il a pioché 6 de plus que moi quoi. 7 de plus que moi avec ça. Hein. Forcément. Ah, son deck est vénère. Hein. Lui déjà, quand 1 c'est fort, en 2 c'est vraiment beaucoup quoi. Comment on peut faire ça? Il nous faut un 4-4 lien de vie super cheaté là. Celui qu'on top deck à chaque fois. Ah, il a un terrain qui pioche de partout. Ça va être difficile. I have a plan. Ouais, ça peut aussi mourir, mais bon. C'est le plan. À chaque fois que je dis la game elle est perdue et tout, le deck de Monopo il est trop fort. Bah ça des fois ça vient et ça gagne la game de nulle part, tu sais ça fait. Et il faudrait piocher le troisième émissaire et on est bon. Deuxième émissaire ? Deuxième ? J'en ai eu qu'un ? Ah bah ça va, il y en a encore deux dans le deck de ça. Ni attaquer ni bloquer, d'accord. On a un disenchant. On a un disenchant. Solide. J'y crois. Moins 3, moins 3, c'est pas gentil. Ah, je fais 0 dégâts. Je suis trop nul. Ah, la fatigue. Je viens de dépenser 3 énergies pour faire 0 dégâts, quoi. Ah, c'était pas opti. J'avoue, c'était pas très optimal. C'était pas ouf. Dans la catégorie pas ouf,
Je voudrais mon play. Et t'as piqué un émissaire? Non. Mais what? Tac, il passe à 5. Ouais, je suis obligé de faire ça. Ouais. Bah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, cette histoire. Et il s'arrête pas, en plus, hein. C'est ça qui est fort. C'est quoi? Une 1-1 qui retire des compteurs. Ça marche. Il ne s'arrête pas, en plus. Bon, et là, il nous faut ça. Il nous faut un ça. Et alors, peut-être. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, bon, bah, si t'as tout. Ah, désolé. Ah, désolé. Tu pioches... Oui. Eh ben, oui. Oui, bon, ouais, bon, ça va, hein. Moi, j'essaie d'avoir de l'espoir, d'accord. Donc, mais bon, quoi. Voilà, mollo. Qu'est-ce qu'il nous restait? Il nous restait deux fois ça. Pour peut-être voler la game. C'est tout, j'ai 5 kills. Ouais, vous demandiez combien j'ai deal? J'en ai 5. Je pioche juste jamais, quoi. Ah, il avait double maître noueur de Hondou. Je pense qu'il faut jouer ça, non? On arrive souvent dans des spots où on a juste envie de piocher des cartes. Ça a l'air bien, ça. On va le tester. Combien de landes? On a dit j'ai 17 plus les doubles DFC. On va jouer ça. Ça fait 18 landes. On a un draw 3 en plus. Un petit truc à boire. Alors. Ah mais c'est normal de s'incliner contre des decks qui sont forts, hein. C'est mieux de s'incliner contre des decks forts que contre des decks nuls. Jeskai Arna. Adieu. Oh, tu régales trop, Julius. Arrête, tu régales trop. Ok, on a 4 mana. On a une petite combo là contre son deck artefact gargouille. On peut poser un 2-2 qui disenchant et le blinker. Ça a l'air d'être un bon plan, non? Mais pour ça, faut qu'on soit encore en vie. Croyez qu'il a un contre-sort. Ouais, mais est-ce qu'on a vraiment le choix? Bon, et si on pioche pas une de ces îles, on est mort, de toute façon. Ah mais vous voyez, il le joue, lui. Je crois qu'on va s'incliner sur ça, hein.
Oh, c'est trop dommage. Il joue que des deux vols. Ouais, mais c'est nul en fait, parce que derrière j'ai une main que je peux pas jouer. Je réfléchis, voilà. Après, c'est vrai que s'il a des Eldrazi à 8, autant pas les lui laisser, quoi. C'est dommage d'avoir posé du board comme ça. Si j'avais Land, j'aurais pu blinker, gagner 2. J'aurais pu juste faire blink, je gagne 2, je tue ta bête. Je blink, je gagne 2, je tue ta bête. Et peut-être prendre l'ascendant en lui tuant ça et ça gratos, mais pour ça il faut un cinquième land quoi. En fait, faut comprendre un truc, c'est qu'il faut comprendre que jouer une carte comme ça pour temporiser un tour ou deux parce que t'es mort en deux tours, mais laisser à ton adversaire 5 cartes en main là où toi t'as 5 cartes que tu peux pas jouer, c'est souvent compliqué. Mais bon. On a une game. On a une game. On va pas se plaindre. Ouais, ça c'est vraiment fort. Je peux pas contrer. Ouais. Bon, j'ai probablement perdu. J'avais la sortie parfaite pour gérer ça. Tu vois, genre, typiquement, j'avais des 1-2 qui blink, des 10 enchant. C'était juste la sortie parfaite pour gagner contre ça, quoi. Mais bon. Je peux faire ça.
Oh, c'est un peu rageant, mais bon. Faut faire avec, hein. C'est les games de Magic. J'aurais pu ne pas brasser et avoir... Ben non, c'était pas très drôle, tu comprends. J'aurais pu ne pas brasser et avoir le... Le Exodia sur le board, quoi. Mais bon. Bon, ça, c'est les games un peu karma. Ça arrive. Bon, ça, c'est vraiment super fort, Invocatrice distinguée. Lui, il est démoniaque. Brass, c'est pas ouf, hein. On l'a vu dans les games, là. Ça m'a pas fait gagner mes games. Ça, c'est vraiment, vraiment très, très fort. Bon, ça, c'est un peu lent. Je pense que le cuirassé aussi, ça, c'est toujours aussi fort. Et on avait rajouté un petit draw 3. Bon, il y a moins de fixeurs dans ces decklists-là. Bon, il y avait 6 îles. 6 îles, 7 plaines, 3 marées. Non, 4 marées, c'était OK, en vrai. Plus moins de fixeurs. Non, il fallait piocher le 5e terrain et ça gagnait. Ça gagnait solo. On n'a pas tant de cartes bleues que ça aussi. Là, on avait la main, on avait 5 cartes bleues en main, alors que des cartes bleues, on en joue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, ça, c'est rouge. 11, 12, 13, 14. On a 13 cartes nécessité du bleu. On en avait 5 sur les 13. Voilà, ça arrive. Faut vivre avec. Vivons avec.